Il fait tout noir. Oui, il fait tout noir. Attendez. On va essayer de faire autrement. Voilà. Bonjour YouTube. Vidéo. Oui, parce que j'ai pas d'idée. Et aussi parce que il fait beau. On est lundi 8, lundi 6. Je sais plus les dates. Bref, aujourd'hui, je te propose de venir avec moi à la foire de Dijon, une foire gastronomique principalement. Avec comme invité cette année le Vietnam. Et ça va être bien. Je t'assure que tu vas aimer. Je t'invite à mettre un pouce en l'air. Et voilà. Du coup, c'est parti. Ça vous prend combien de temps? C'est vous qui les faites tous? Oui. Ça prend combien de temps en général? Énormément de temps. Énormément, parce que c'est une matière qui est trois fois plus dure que du granit. Ah oui? Donc c'est pas que du bois en fait. C'était du bois il y a 200 millions d'années, changé en pierre. Ah d'accord. Changé en verre pour être précis. D'accord. En silice. Je me mets un peu en retrait parce que je vais faire un premier constat sur ce que je vous ai montré actuellement. J'ai fait un petit tri de ce que je vais vous montrer. C'est extrêmement beau, c'est beaucoup de décoration intérieure, c'est très très beau. Et je pense que ça vaut le coup, je mettrai peut-être en description les adresses et les sites internet de ce que je vous ai montré. Et maintenant on va s'attaquer à la meilleure... meilleur endroit parce que ça ne se sent pas, vous le sentez pas, mais moi je le sens depuis un moment. Ça sent extrêmement fort les épices. Du coup, maintenant on va passer à, attention, la magie du montage, à la nourriture. Cỏ khô ta
thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. Rừng thu la úa em vẫn chưa về. Rừng đông quân gió em đứng bơ vơ. Ta thấy em tiền kiếp với mặt trời lẻ loi. Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây. Hand spinner, hand spinner, hand spinner. J'ai faim maintenant. Il n'y a pas à dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de choses. Il y a quand même deux choses à dire. La partie Vietnam, et c'est très, 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 très beau. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. Je suis étonné et vraiment bien étonné. La deuxième, c'est qu'au niveau de la bouffe, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de bouffe. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais sur... Allez, 70 mètres, il y a au moins 7-8 stands de charcut, 4 de fromage, 2-3 restaurants avec des tables. C'est immense, c'est immense. J'ai l'impression d'être à une foire gastronomique. Je crois qu'il me reste encore un étage à faire et puis j'aurai fini. Voilà, c'est très très bon. En tout cas, je vous recommande vraiment d'aller à la foire de Dijon.
c'est une expérience à faire et à vivre. Sortie de la foire de Dijon sous un magnifique Porsche à vélo, c'est trop bien. Et bah franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup trop d'exposants avec de la nourriture. Donc l'envie de manger à 10h30, c'est pas super. Mais bon, il y a quand même un truc que j'ai remarqué dans les stands de prêt-à-porter. Alors, il n'y en avait qu'un seul, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui font ça. C'est que dès qu'il te voit, enfin, moi quand je me suis promené, j'étais avec l'appareil photo, et il a voulu direct que je fasse de la pub pour lui. Bon, moi j'étais chaud pour faire 2-3 photos parce que c'était le but. Sauf que lui, c'était j'achète un truc extrêmement cher. C'était un quoi ? À 790 boules, il me dit ouais, passe-moi ta carte, je vais voir si ça passe, comment tu peux l'éviter, à quelle banque t'es, tout ça, et un avoir de 300 boules. Fort heureusement, je lui ai fait croire que je faisais mon premier tour et que je repasserai. Je ne suis jamais repassé parce que j'étais sans doute avec le pire vendeur du monde. Je pense qu'il n'y en avait qu'un seul. Les autres, c'était très sympa. Ils te disent bonjour, ils te disent oui, voilà, si tu veux faire une photo, si tu veux parler de nous, bon, vas-y. Vas-y, on ne force pas. Ça, c'était très sympa. Je suis tombé sur mes vendeurs. Je ne dirai pas la marque, par respect, parce que j'en ai encore. Mais faites attention à ceux qui forcent. Il y en a quand même. Il y en a très peu, mais ils sont très très forts. Voilà. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, tu peux la liker, la partager. Voilà. Et si tu es chaud, bah, tu peux aller à la prochaine foire de Dijon qui se déroule le mois prochain. Je n'ai pas les dates. Il faut aller sur le site internet. Et bah quant à moi, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me suivre sur le Twitter aussi, je fais pas mal de choses. Merci d'avoir regardé. Un bon jeu à vous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.